Alors, comment dit-on attendre en anglais? Est-ce que c'est to wash, to attend, to wait ou bien to listen? Je vous donne 5 secondes. Comment dit-on attendre en anglais? OK. Le verbe attendre en anglais est to wait. Voilà. To wait. Ce n'est pas to wash. Ce n'est pas to attend. Ce n'est pas to listen. Le verbe attendre en anglais, c'est to wait. Voilà. C'est la bonne réponse. Alors, comment dit-on cheval en anglais? Est-ce que c'est horse, sheep, goat ou bien cow? Comment dit-on cheval en anglais? OK. Cheval, en anglais, on dit horse. Voilà, c'est horse. Ça se prononce horse. OK, c'est cheval en anglais. Voilà. Alors, comment dit-on rouge en anglais? Est-ce que c'est green, blue, yellow ou bien red? OK. Rouge en anglais, on dit red. Voilà, c'est red. Rouge en anglais, on dit red. Voilà. Alors, comment dit-on plus en anglais? Est-ce que c'est rain, sun, wind ou bien c'est snow? Comment dit-on plus en anglais? OK, plus en anglais on dit rain. Voilà. Rain. La pluie en anglais, on dit rain. Alors, comment dit-on poisson en anglais? Comment dit-on poisson en anglais? Est-ce que c'est chicken, beef, pork ou bien fish? Je pense que ça, c'est facile. Poisson en anglais, on dit fish. Voilà, c'est fish. Poisson en anglais, on dit fish. Voilà. Alors, comment dit-on froid en anglais? Est-ce que c'est hot, cold, warm ou bien c'est cool? Comment dit-on froid en anglais? OK. Froid en anglais, on dit cold. Voilà. C'est cold. On ne dit pas hot ou bien warm ou bien cool. Froid en anglais, on dit cold. Voilà. Alors, comment dit-on semaine en anglais? Semaine. Est-ce que c'est day, month, week ou bien ya? Comment dit-on semaine en anglais? OK. Semaine en anglais, on dit week. Voilà. Week. Semaine en anglais, on dit week. Alors, comment dit-on
voisin ou bien voisine en anglais? Mm-hmm. Est-ce que c'est enemy, stranger, neighbor ou bien friend? Mm-hmm. Enemy, stranger, neighbor, friend. Comment dit-on voisine ou bien voisin en anglais? Mm-hmm. Ok, voisine ou bien voisin en anglais, on dit neighbor. Ok, ici, tu vois, neighbor. Ok, voisin ou bien voisine en anglais, on dit neighbor. Voilà. Alors, comment dit-on chemise en anglais? Est-ce que c'est pants, skirt, t-shirt ou bien shirt? Mm-hmm. Comment dit-on chemise en anglais? Ok, chemise en anglais, on dit tout simplement shirt. Voilà, shirt, c'est chemise. Alors, comment dit-on pain en anglais? Voilà. Est-ce que c'est bread, pain, moon ou bien past? Comment dit-on pain en anglais? Mm-hmm. Ok, pain en anglais on dit bread. C'est bread. Ce n'est pas pain. Ça se prononce pain. Voilà. Pain en anglais on dit bread. Bread, ok? Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires votre score, c'était sur 10. Donc, si vous avez eu 10 sur 10, c'est très bien. Voilà.